Hello tout le monde, on se retrouve dans le vlogmas numéro 16. Si je dis pas de bêtises, on vient d'arriver au supermarché asiatique pacifique. Je viens de me prendre la tête avec une meuf parce qu'elle avait sa porte ouverte comme ça sur le parking. Et qu'en gros elle a dit vous êtes obligé de vous garer là parce qu'il y avait une place libre à côté. Mais il n'y a pas de place sinon, ils sont tarés les gens. Bref, on va aller récupérer du coup plein de choses à l'asiatique. Vous voyez ma tête? J'espère que j'ai pas chopé le Covid hein, parce que je me sens pas très bien avec la gorge et tout. Allez, on va faire les courses. Voilà, du coup nous on va ici et franchement on se régale à chaque fois. Ils sont trop gentils en plus, donc let's go. J'adore, ils ont toujours plein de produits. Des trucs pour le thé. Ah oui, c'est les pernes pour les bubble tea. Euros, quoi. Tu mets ça, tu te mets ça dans le truc, tu dis ouais. Oui, mais tu te mélanges à quoi? Bah, il y a ici. Ah ouais, pas bête. Putain, c'est bien. Ah, ils ont plein de trucs. Hein. Trop joli. Il est beau, lui, hein, pour emmener au travail. C'est les trucs au Québec. C'est les chocopailles. Ah, les chocopailles, ouais. Oui. C'est vrai. Oui, au Canada, des coquilles. Ils ont que ça, ils ont pas. Ouais, il y en avait, ouais. C'est spécial, après, moi, je suis pas très fan. Hein. Quoi que, eux, ils doivent être bons, je pense. Ouais, hein. Eux, ils doivent être ah, ouais, bons. Eux, ils doivent être fous. Le paradis des nouilles. C'est immense, les rayons ici. Voilà, le paradis des nems, c'est là où on les prend. Il y a plusieurs goûts. Crevettes et volailles, crevettes. Il y a légumes. Ah, oui, légumes aussi. Oh, c'est tellement bon, ça. Nous, on prend crevettes. C'est ceux-là qu'on avait pris. Nous, c'était au porc qu'on avait pris. Et ravioles, nous, on prend ceux-là. Ravioles, crevettes, ils sont trop bons. Mais vous les avez au poulet aussi. Maintenant, ils vendent carrément le fruit durian en entier. Un truc de fou, c'est ça qui pousse, je crois. C'est sûr, ça doit être trop bon. Poro sol et citron vert, prune de citerne, je connais pas du tout. 4,20€ la brique, mais bon, ça doit être fou, je pense. On a retrouvé la route bière du Canada, les gars. Dans un truc asiatique, excellent. C'est pour les bubble tea du sirop de sucre brun. Ils ont de ces produits quand même ici. Et tout l'été. Trop bon, t'es à la même. Ah ouais. J'en buvais tout le temps avant. De l'île Maurice, par contre, il doit être excellent. Mmh. Ouais, je vais en prendre un. La vaisselle ici, c'est trop beau. Regardez-moi ces petits bols. Incroyable. Alors déjà, avec les chats, j'adore. Regardez l'intérieur avec les chats. Non, mais ils sont fous. Là, j'en rose. Ce service-là, à chaque fois que je viens ici, je me tâte à les prendre. Ils sont magnifiques, les assiettes creuses. Regardez les chats. Incroyable. On les avait en bleu. Magnifique. Les assiettes. Oh là là. Regardez-moi les petits chiens ici. Ils sont trop beaux. Vous avez même un petit bol. Oh, je suis fan, c'est trop beau leur truc. La machine à café, elle fait un bruit de fou. Je vais trop goûter. Moi, on va goûter. Bon, on est rentré de chez le chez moi. Allez, je vous laisse. Ouais. Donc je vous montre ce qu'on a pris. On a fait un carton pour nous et un carton pour la mère de mon chéri parce qu'elle n'a pas l'occasion d'y aller. Donc du coup on lui a fait ses courses pour elle aussi. On a pris des chips aux crevettes parce que ce soir il y a mon frère qui vient manger à la maison avec ma belle-sœur et mon neveu. Donc du coup on va se manger clairement chinois-asiatique. De la menthe, c'est la base. De la salade, leur salade elle est tellement belle et déjà lavée et tout, donc ça c'est trop bien. Les feuilles de Batavia. J'ai pris ça, je vous l'ai montré dans le magasin, c'est du thé à la vanille de l'île Maurice. Arôme vanille, écoutez, on verra bien. On a trouvé, lookez-moi ça, les beans à la tomate qu'on a acheté tout le temps au Canada. C'est le petit déj du matin, ça nous manquait trop. Ça c'est nos petits safrans qu'on a acheté 3,25€. Donc c'est pas si cher. Je me rappelle que ma grand-mère elle les achetait comme ça aussi. Vous en avez 4 petits bocaux à l'intérieur. Bon, c'est des mini doses, mais ça agrémente toujours quand vous cuisinez. Je vais aller à la douche après, vous inquiétez pas parce que là j'ai une sale tête. On a trouvé ça, regardez. C'est une noix de coco avec une paille que vous pouvez boire et apparemment vous mangez après l'intérieur aussi. Elle était à 4,50€. Les carottes, on les prend toujours là-bas. Elles sont immenses, pas très chères en plus. Donc nous, il y en a 4 grosses, on les a payées 2,45€. Et pour la mère de mon chéri, on lui en a pris 3 à 1,66. J'ai trouvé de la mangue congelée, ça j'adore en avoir un petit peu à la maison, c'est trop bien pour mélanger après avec des kiwis ou autre. On a repris, donc cette fois on n'a pas pris les nems au porc parce qu'il nous en restait un peu, on a pris des nems aux crevettes. Donc c'est des sachets comme d'hab de 50 pièces et on a pris les ravioles aux crevettes. Ça sont trop bons, on va manger ça ce soir avec de la sauce soja sucrée, la base. Et on a repris une sauce aigre douce parce que celle-là c'est la meilleure. Voilà, ça c'est pour nous. Et pour la mère de mon chéri, on a pris quasiment la même chose. On lui a pris une noix de coco. On lui a pris la persillade. Vous savez qu'on s'était acheté nous aussi. Donc nous on en a encore, mais elle on lui en a acheté. Ça coûte 2€. On lui a pris une boîte comme nous de beans à la tomate. Une grosse bouteille d'aloe vera parce qu'elle adore boire ça. Une sauce aigre douce comme nous. Une petite sauce. Celle-là c'est la sauce pour les nems. Deux boissons comme ça. Donc une avec Luffy de One Piece. Une autre de One Piece. Et tous les deux aux fruits rouges et des iced tea. Apparemment ils sont succulents. On n'a jamais goûté, mais pour l'anniversaire du frère à mon chéri, on lui en avait pris une comme ça. Il avait dit c'était trop bon. Donc là il nous a dit reprends-en, c'était trop bon. C'était les deux dernières au magasin. Je pense que c'était des éditions limitées. Donc je pense pas qu'ils en recevront d'autres. On lui a pris des
nems aux crevettes et volailles et des samoussas au bœuf. On n'a pas pris ça longtemps, moi j'adore les samoussas, mais chérie n'aime pas trop. Voilà ce qu'on peut trouver dans les magasins asiatiques. Donc moi je vais faire du ménage là, faut que j'étende le linge. Je continue à faire mon ménage, je vais me faire un thé une fois de plus pour la gorge, parce que la gorge est en train de partir en cacahuète. Et après j'irai à la douche, me préparer tout ça pour ce soir. Allez, je range tout ça, à tout. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. De la maison, on voit un beau ciel rose. Ça fait trop plaisir. Le matin, on a plutôt des levées de soleil. Et le soir, on a des beaux couchers de soleil quand même d'où on est. Parce qu'on est bien exposé de ce côté pour voir les couchers de soleil et les levées de soleil. Là, je sors de la douche et du coup, bah, j'attends mon frère, ma belle-sœur. On va commencer à préparer un miam miam. Je commence à avoir faim en plus. Donc, du coup, on a rentré la table qui est dehors. On l'a mise dedans. Parce qu'évidemment, bah, c'est minus hein, chez nous. Mais bon, on a poussé la table basse. Et du coup, voilà, il y a le canapé là et la table là. Recevoir mon frère et tout, bon c'est pas évident quand on a un petit T2 comme ça. Voilà ce qu'on doit faire, on va être serré, mais bon c'est comme ça, donc on va manger asiat. Là on a fait un petit apéro, je crois que ça c'est des artichauts, radis, saucisson, là-bas il y a les chips aux crevettes, et après on mangera les nems et les ravioles aux crevettes. Voilà, et on mettra la téloche après. Voilà. Bon, tout le monde est parti, il se fait tard, donc du coup moi je vais aller au lit puisque demain je bosse. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'avant, donc je vais l'ouvrir, c'est le numéro 16 qui est juste là, sur le petit renne ici. Hop, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Viens ma chère. C'est une étoile filante. C'est improbable parce qu'en plus mon frère me disait que justement il avait vu une étoile filante, ma belle-sœur aussi, et qu'il allait en avoir dans le ciel jusqu'au 17 décembre. Donc incroyable que j'ai ça dans le calendrier, mais c'est fou. Écoutez, je le mange. J'ouvre pas ça parce que je vais fermer la porte, je suis pas content. Alors ce vlog sera vraiment assez court, mais voilà, je vous ai dit que des fois il y avait des vlogs beaucoup plus longs, des fois de 20 minutes, des fois de 5, des fois de 10, des fois de 15, bref c'est ça les vlogs masse. Incroyable, on a regardé du coup la Starac avec mon frère, ma belle-sœur, mon chéri, mon neveu, et complètement surprise du candidat ou de la candidate qui est partie, donc alerte spoiler, passé. Si vous voulez pas être spoilé de la personne qui est partie au Prime samedi soir et qui ne va pas faire partie de la tournée, 3, 2, 1, je vous en parle, donc partez. C'est Clara qui est partie, non mais je suis choquée. Moi pour moi c'était ou Candice ou Djibril qui devait partir clairement au niveau du niveau, on n'a pas trop compris. Voilà, on a été un peu déçus sur le choix du public. Bref, truqué, pas truqué, on le saura jamais. Je n'en peux plus, donc je vous fais des gros bisous, parce qu'il est minuit et quelques passés. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite des vlogs. À demain tout le monde, bye bye.